Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Je vais vous faire votre petite vidéo pour ce mois de mai 2022 concernant le sentimental. Donc la vidéo va être un petit peu longue puisque je vais faire la vidéo en deux fois. Donc pour les Sagittaires couples et pour les Sagittaires célibataires. Donc on va commencer avec les Sagittaires couples. Je vais vous faire trois petits tirages. Pour vous et pour votre autre, on va regarder un petit peu globalement ce qui va se passer pour ce mois de mai 2022. Et pour les célibataires, je vous ferai trois petits tirages aussi à la fin de votre vidéo. Vous aurez votre petit message ainsi que le petit conseil de votre enfant intérieur pour ce mois de mai 2022, les Sagittaires couplés et les Sagittaires célibataires. Allez, on y va, Sagittaires couple. Mai 2022, Sagittaires couple, mai 2022. Allez, j'en ai une qui vient de tomber toute seule. Allez, on vous dit prise de conscience, l'éveil pour ce mois de mai. Oui, prise de conscience. Hein, la présence d'esprit et on a une prise de conscience pour ce mois de mai par rapport à son autre. D'accord? Oui, prise de conscience, on est loyal. Oui, on a un bon raisonnement pour ce mois de mai 2022. On a une prise de conscience que... avec son autre, ça se passe bien, on est dans la loyauté, on a de la chance. On est plutôt dans un raisonnement où on se dit, on a de la chance. On est chanceux, chanceuse, pour ce mois de mai 2022. Les Sagittaires couple. Allez, on y va. Sagittaires couple, mai 2022. Sagittaires couple, mai 2022. Sagittaires couple, mai 2022. Voilà, bon, je pense à toi. Oula, bon, il y a des mots amoureux concernant vous, votre autre. Je pense à toi, je t'aime. Bon, ok. Allez, Sagittaire couple, mai 2022. On y va. Allez, j'ai de l'amour pour vous et pour votre autre. J'ai un tu peux compter sur moi. J'ai une fleur de vie, ancrage, vitalité, abondance. On a des projets pour ce mois de mai 2022, les Sagittaires couple. On vous dit que tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Il y a peut-être des choses à revoir concernant des projets que vous avez peut-être à mettre en place pour ce mois de mai. D'accord? Ici, on vous parle de votre couple. On va peut-être se mettre en retrait. On va mettre en retrait de la jalousie. D'accord? Oui. Allez, bon, il y a des personnes qui ont peut-être des mauvais raisonnements par rapport à vous pour ce mois de mai 2022. On vous dit qu'il y a quand même des... Oui, hein, il y a quand même un esprit... Oui, il y a peut-être une... On met de côté. On met de côté de la jalousie, d'accord? On va peut-être aussi s'isoler de la jalousie pour ce mois de mai 2022, d'accord? On vous dit qu'il y a quand même... Les personnes ont peur. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont dans des pensées un petit peu de peur. Pour ce mois de mai 2022, d'accord. Ça peut être aussi des personnes qui ont peut-être des personnes peut-être qui se mettent de côté par rapport à vous, pensent peut-être que vous avez peur, d'accord, et que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Ok, ici on vous dit quand même que vous allez, il y a un amour, c'est fusionnel, il y a de l'amour, hein, c'est clair, on s'entend bien, il y a de l'amour qui est là. On va mettre de côté de la jalousie, d'accord? De la jalousie qui pense peut-être qu'il y a peut-être des idées, qui ont peut-être des idées de peur, tout simplement, qui ont peur peut-être par rapport à vous, aussi, par rapport à votre couple, d'accord? Ou qui pensent peut-être que vous craignez peut-être aussi, vous les craignez, vous le ou la craignez, ou vous les craignez, parce que en ce moment, voilà. Ça peut être ça aussi, d'accord? Parce qu'on parle quand même de... Vous mettez de côté. Vous mettez de côté de la compétition, de la rivalité, de la concurrence, vous mettez de côté. Il y a des personnes qui vont quand même essayer de se mettre un petit peu au milieu concernant des choses que vous voulez... Des projets que vous voulez mettre pour ce mois de mai 2022. Des projets que vous voulez faire avec votre autre. D'accord? On vous dit qu'il y a des choses qu'il va peut-être falloir revoir aussi. Hein, par rapport peut-être à vos idées, à vos pensées aussi. Pour ce mois de mai.
vis-à-vis de votre autre. On vous dit qu'il y a quand même une notion, on est quand même dans une notion de peur pour ce mois de mai. On vous dit, oui, alors je pense que c'est plutôt la jalousie qui est plutôt dans une notion de peur par rapport à vous. D'accord? On vous dit que vous allez avoir peut-être besoin de prendre un peu de recul sur une situation. D'accord? Il va y avoir du calme, de la sérénité, vous allez être bien. Vous allez trouver une issue par rapport à vous et votre autre. On vous dit qu'il y a un « je pense à toi », un « je t'aime », c'était sorti tout à l'heure d'ailleurs. Vous allez récolter ce mois de mai 2022 avec votre autre, vous récoltez. On vous dit d'ici quelques semaines, vous allez avoir des belles choses qui vont vous arriver. On vous dit non par rapport à... Oui, il y a quelque chose qui ne va peut-être pas le faire. Ok, ouais. D'ici quelques semaines, non. Alors, j'ai un non sur quoi? Non, chance. Vous avez non, pas besoin de prendre du temps pour vous. Ouais. Vous, il y a une notion de sérieux. Vous allez, oui. Il y a la maison, il y a le sérieux, la famille, la maison, le sérieux. D'accord? On vous dit que vous êtes sur un nouveau départ, vous. D'accord? Vous êtes dans une notion de patience. Vous patientez, vous. Hein, et vous êtes perturbé. Voilà. Vous patientez, vous êtes perturbé. On vous dit qu'il va y avoir des choses. Vous, messieurs, on vous dit qu'il va d'ici quelques jours. Oui, vous acceptez. Intime manque. Ok. Bien froid. Alors, vous, messieurs. D'accord. Bon, allez, vous, messieurs à lunettes. Messieurs matures, vous acceptez quelque chose et vous mettez un froid sur un tu me manques. D'accord? Vous, messieurs, voilà, plus jeunes, vous vous mettez en lumière pour ce mois de mai 2022 par rapport à votre autre et vous montrez que les choses se débloquent par rapport à vous. D'accord? Vous avez une réponse. Il y a quelque chose en vous. Vous avez la réponse par rapport à une question que vous vous posez. On vous dit, cherche la réponse, cherche à l'intérieur de toi, la réponse c'est là. Il y a des choses peut-être qui vous embrouillent pour ce mois de mai. Hein, peut-être que vous êtes embrouillé peut-être par rapport à une dame, à votre femme, à votre autre. Vous, mesdames, vous êtes peut-être embrouillés, vous êtes peut-être embrouillés en ce moment. Hein, peut-être que vous allez être un peu embrouillé pour ce mois de mai. D'accord? Donc on vous dit que si vous êtes embrouillé, cherchez la réponse à l'intérieur de vous, vous avez déjà la réponse. Et vous, messieurs, c'est un petit peu pareil. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer, vous allez vous mettre en lumière, et vous avez des doutes. Hein, vous êtes dans des doutes, vous allez mettre en lumière des choses qui vont se débloquer pour vous, pour ce mois de mai, vis-à-vis de votre autre. D'accord? Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir il y a quelque chose que vous allez devoir prendre, il y a un chemin que vous allez devoir prendre, il va y avoir une réussite. D'accord? Pour ce mois de mai. Ok, on vous dit qu'il y a de la chance pour vous. Alors, ici, on était dans une notion de... Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a de la chance pour vous. Vous allez fêter quelque chose. Vous êtes protégé pour ce mois de mai. D'accord? On est protégé pour ce mois de mai. Voilà. Donc, il y a quelque chose de plutôt positif. Vous voyez des choses. Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous pour ce mois de mai 2022. Vous allez être protégé. D'accord? Vous allez être protégé. Mesdames, vous êtes protégées. Hein? Il y a celle-ci vient de tomber. Il y a une transformation positive qui vient, une évolution qui vient pour vous pour ce mois de mai 2022. Il y a des personnes autour de vous qui sont un petit peu dans l'appréhension par rapport à vous, les Sagittaires, couple. D'accord? Donc ici, j'ai la peur pour vous. On vous dit d'ici quelques jours, il va y avoir une réussite. Il va peut-être falloir travailler un petit peu sur soi pour voir un petit peu. Il y a peut-être des choses à revoir. Et les choses vont s'éclairer pour vous par rapport à une situation qui semblait bloquée. On a peut-être des choses... On va peut-être casser une situation qui semblait bloquée, qui semble bloquée pour ce mois de mai 2022. D'accord? Allez, on continue. Allez, on y va. Allez, on va regarder. Sagittaire, couple, mai 2022. Sagittaire, couple, mai 2022. Sagittaire, couple, mai 2022. On y va. Donc, j'ai vous, messieurs. Vous êtes perturbés, déstabilisés par une prudence. Il y a de la chaleur pour vous. Il y a de la médisance. Il y a des personnes peut-être qui sont
Ben, on l'avait. Hein, il y a des personnes qui sont médisantes par rapport à vous, qui vont arrêter de se poser des questions par rapport à des projets que vous mettez en place pour ce mois de mai 2022. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir des projets plutôt chaleureux pour vous. Hein. Il y a des personnes qui arrêtent de se, qui changent de vie. Hein. Il y a de la médisance, il y a des personnes qui peuvent être médisantes ou médisantes par rapport à vous. Ces personnes vont changer de vie. D'accord ? C'est peut-être des personnes qui essayent aussi de vous déstabiliser. D'accord ? Il y a peut-être des personnes qui essayent un petit peu de vous déstabiliser, d'être prudent par rapport à des doutes qu'ils ne vont plus avoir parce que vous, vous allez aller vers des projets. D'accord ? Il y a plutôt des belles choses qui viennent pour vous. Il y a du bonheur qui vient pour vous. D'accord ? Même si vous n'êtes pas sûr, il y a quelque chose de plutôt positif. Vous, vous êtes un petit peu dans une personne qui est un petit peu dans ce côté... voilà, on n'est pas sûr, on reste prudent. D'accord ? Il y a quand même une chose, des choses qui vont s'arrêter pour vous. Il y a un changement, hein, la médisance qui s'en va, qui arrête de se poser des questions par rapport à des projets que vous mettez en place pour ce mois de mai 2022 par rapport à votre autre. D'accord ? Il y a du bonheur qui vient vers vous. Il y a l'homme gentleman. Il y a quelqu'un qui va regarder peut-être aussi des difficultés, hein, par rapport à vous. Hein. Quelqu'un qui va peut-être aussi, ben vous mesdames, il y a peut-être quelqu'un qui va vous lancer un défi aussi, qui va peut-être regarder vos problèmes, il y a peut-être quelqu'un qui va chercher, qui va regarder aussi votre fidélité, votre loyauté. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir peut-être des problèmes pour venir vers vous aussi, hein, ou qui va peut-être vous mettre au défi aussi. Et vous mesdames, on vous dit qu'il va y avoir... des choses vont bouger pour vous, c'est aussi qu'il y a un déménagement, vous allez passer vers un niveau supérieur, vous mesdames. Et on vous dit oui par rapport à un niveau supérieur pour mesdames Sagittaire, couple. Allez, ici j'ai le bonheur pour vous. On va pas on communique pas. Voilà. On est dans du bonheur et on ne le communique pas pour ce mois de mai 2022. Allez, on continue. On va regarder un petit peu ce qui vous attend. Sagittaire couple. Mai 2022, Sagittaire couple. Sagittaire couple, mai 2022. Allez, on y va. J'ai de l'harmonie pour vous. On est dans de la solitude. On est souple. On vous dit d'être prudent. Il y a de la fragilité. Il y a une sensualité. Mettre en échec une souplesse, un regain. On vous dit d'être prudent par rapport à une vitalité. D'accord ? On vous dit d'être un peu prudent par rapport à une vitalité. Vous allez peut-être mettre en échec. Il y a peut-être une souplesse qui va mettre un échec. D'accord ? On vous dit de patienter. D'accord ? Il y a de la jalousie qui patiente par rapport à vous. On va peut-être aussi mettre en échec. Pour moi, on met en échec la patience d'une jalousie. Voilà. Il y a des personnes qui sont dans la patience par rapport à vous. D'accord ? On vous dit que vous allez avoir de la chance. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on va mettre en échec. On va mettre en échec une jalousie qui patiente. D'accord ? On vous dit d'être prudent par rapport à de la vitalité que vous allez avoir pour ce mois de mai 2022. On vous dit d'être prudent dans votre côté... souple, d'accord ? On vous dit d'être... oui. Vous allez avoir de la chance et on vous dit oui pour vous. Affirmez-vous pour ce mois de mai 2022 et soyez généreux, généreuse. Donnez de l'amour, la fidélité, oui. Des projets, voilà. Hein, il y a des projets qui viennent pour vous pour ce mois de mai 2022 et vous allez avoir de la chance avec votre autre pour ce mois de mai 2022, les Sagittaires couple. Donc ici, j'ai la chance pour vous. Même si on se prend la tête, et on se prend la tête par contre par rapport à de la chance qui vient pour vous, d'accord ? On vous dit de faire confiance. Hein ? Il y a un arrangement, une réconciliation, quelque chose qui le fait pour vous et pour votre autre pour ce mois de mai 2022, les Sagittaires couple. Donc, c'est plutôt positif. Allez, faites-vous confiance, c'est la personne qui est faite pour vous. Allez, mai 2022, Sagittaires couple. Mai 2022, allez, j'en ai une qui vient de tomber. Toi, bon... Vous, que crains-tu ? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Pour ce mois de mai 2022, pour les Sagittaires couples. Ouais, non, c'est...
C'est top. Allez, Sagittaire couple. Mai 2022, Sagittaire couple. On y va. Sagittaire couple, mai 2022. Oula, bon, vous avez en plus une super carte. Qui est la force est avec vous pour ce mois de mai 2022, les Sagittaires. Voilà, la force est avec moi. Je suis protégée, vous êtes protégée, guidée pour ce mois de mai 2022. Voilà. Voilà mes petits, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Mesdames, messieurs, puisque vous êtes tous sortis, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Prenez bien soin de vous et de votre autre. Et passez une bonne après-midi et je vous dis et un bon mois de mai. À bientôt. Les Sagittaires célibataires, bonjour. Je vais vous faire les petites, la petite vidéo. Guidance pour vous, voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de mai 2022. Sagittaire, célibataire, mai 2022. Allez, j'en ai une. La sonorité. Vous allez être à l'écoute pour ce mois de mai 2022.